Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir pour nous, plaisir chaque fois renouvelé de vous retrouver, nous, c'est-à-dire Maître Magala. Bonsoir et bonjour, Maître. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Le bonjour, c'est pour ceux qui nous suivront en rediffusion. La deuxième personne, c'est mon ami Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Un petit nouveau, il est enseignant à l'UPN, Théodore Kachaka. Bonsoir et bonjour. Bonsoir, Monsieur Kibambi. C'est quelqu'un qui suit profondeur quand il en a l'occasion. Et cela vous fait plaisir d'après ce que vous m'avez dit. D'abord, je vais commencer par vous remercier de m'avoir appelé. Ben, c'est normal. Que... Oui, ben, c'est pour moi un honneur. Bon, ben... Profondeur, c'est une émission de... C'est la cour des grands. Et lorsque nous, les petits, nous sommes invités, nous pouvons d'abord que remercier la personne que vous invitez. Et j'ai toujours eu l'idée de participer à cette émission parce que les thèmes développés très souvent s'encadrent avec mes recherches à l'UPN. Et ce matin, quand j'ai entendu un coup de fil, quand je regardais, c'est le patron qui m'embêchait, qui m'appelle, je me suis dit, bon, cette fois-ci, ce n'est pas pour rien qu'il peut m'appeler, me réveiller le matin. Ben, ça m'encourage. Et voilà, je suis là. Oui, ça m'encourage parce qu'il y a des personnes qui croient vraiment que ça se passe entre amis. C'est un espace de liberté, un espace d'échange entre intellectuels, entre guillemets, intellectuels quand même tout court, pourquoi pas. Il faut dire qu'avec M. Kachama, c'est ce qu'il m'a révélé, Kachaka, on se connaît depuis le Katanga. Pas du tout, bon, à distance, oui, parce que Kibambichi, toi, c'est pas n'importe qui, c'est une figure de proue dans la presse. Oh là là. On nous a connus quand on était encore enfant, bon, on se disait chez nous là-bas, bon, ah, Baba Zungu, on va te envahir, on va te dire, attends, Muzungu, moi, à Kouleku. Chaîne nationale, c'est l'oncle qui nous disait ça une fois. Exactement, c'était Muzungu. Ah bon? Et après, on dit Kibambi Chito. Muzungu, ça c'était. En fait, j'explique ça au téléspectateur. Oui, j'explique ça au téléspectateur. En fait, quand j'ai commencé, j'étais au grand séminaire. Pour que les autorités du grand séminaire ne sachent pas que je prestais à la radio, je m'appelais Jean-Pierre Lépard. Alors ça donnait une confusion, les gens croyaient effectivement qu'il s'agissait d'un blanc, alors qu'il s'agissait d'un tout petit Kibambi Chitoa, mince comme un, maigre comme un clou, mais avec l'âge qui a pris... Alors, dans cette émission, nous avons toujours accusé les autres d'être à la base de nos misères. Les autres, c'est-à-dire les anciens colonisateurs. Il y a eu l'esclavagisme, il y a eu la colonisation. Et cette colonisation, avons-nous toujours dit, était faite de manière tellement subtile qu'elle a réussi à faire table rase de tout ce que nous avions comme valeur. Et quand on fait table rase de toute votre culture, eh bien, vous devenez complètement acculturé et c'est la voix du maître qui compte. On a toujours donné l'exemple des Chinois qui, eux, des Japonais et les autres, qui ont encore leur culture tout à fait bien assumée et, bien dans leur peau, ce qui permet à eux, ce qui leur permet de faire en sorte que ceux qui viennent de l'extérieur, ils peuvent l'assimiler et en faire leur. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, d'ailleurs, notamment à cause de gens comme Théodore Kachaka et les autres, ils nous disent, mais comment 60 ans après, on continue à accuser les Belges? Aujourd'hui, regardons-nous dans le miroir et essayons de
reconnaître ce que nous pouvons reconnaître comme erreur de parcours. Et je donne d'abord la parole à mon jeune frère, Maître Magali. Ceux qui disent Magala, pourquoi Magali? Tiens, j'ai une fille qui s'appelle Magali ici. Maître, toutes mes excuses. Maître Magala, j'ai marqué Magali. Maître, mais nous avons aussi des choses à nous reprocher. Mais oui, quand nous disons, merci beaucoup pour la parole déjà, quand nous disons que l'enfer c'est les autres, mais nous oublions que pour l'autre c'est moi. Donc, on est l'autre pour quelqu'un d'autre, toujours. Donc l'autre c'est moi. Et la responsabilité doit être partagée, doit être nôtre. Pourquoi ? En fouillant l'histoire, vous verrez que quand l'Empire romain tombait, Cicéron avait prononcé une bonne phrase. Il disait, c'est de notre propre faute et non un accident. Si nous n'avons gardé de la République que le nom, alors que nous en avons perdu la substance depuis très longtemps. Très bien. Donc ça, c'est Cicéron qui disait ça déjà. Ouais. Et nous avons cet acharnement là contre l'Occident, de penser que tous nos malheurs viennent de l'Occident. Alors que c'est à nous d'assumer ce coffre-fort de la planète que Dieu nous a donné. Et nous sommes loin de le faire. 60 ans après, nous sommes moins développés que quand nous avons eu l'indépendance. On devrait se poser des questions là-dessus. Parce que aujourd'hui, la remarque qu'on faisait au père de l'indépendance, c'est qu'il n'était pas suffisamment préparé et pas suffisamment outillé. Aujourd'hui, nous sommes très préparés et très outillés. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est ça la question. Et nous continuons à tout chercher en Occident. Ce n'est pas normal. Les pays, dit-on, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et quand l'intérêt change, ben, l'amitié change. Donc nous n'avons pas à nous acharner contre l'Occident. Voyons chez nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas et corrigeons. Merci, maître. Alors, c'est votre façon de voir les choses aussi, Théodore Kachaka. Oui. C'est aussi ma façon de voir les choses parce que on a été quand même au banc de l'école, on a appris quelque chose. L'époque belge, nous, on n'était pas là. Mais il y a quand même des empreintes, des traces que les Belges ont laissées. Et nous qui sommes nés après le départ de Belges, quand nous essayons de lire des ouvrages, d'écouter les témoignages de ceux-là même qui ont vécu avec les Belges, il y a de quoi se dire que tout ce qui se raconte à la télé, dans des journaux, tout ça, est-ce vrai? Mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Les Belges ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit notre culture, ils ont tué les gens, ils ont fait cela, ils ont... La question principale, c'est celle de savoir si, à côté de ce qu'ils ont commis comme crime, si les Belges ont quand même fait quelque chose de bien dans son pays. C'est ça la question fondamentale pour moi. Et vous y répondez? Je vais répondre. Je suis tombé une fois dans mes recherches sur un journal intitulé Djiwe. C'était un journal qui était publié au campus de Lubumbashi, comité sectionnaire impair, quelque chose comme ça, et qui était édité par le professeur Kadi Manzouz, qui est à Brazzaville aujourd'hui. C'est lui qui gère la chaire de littérature à l'université Marien Ngouabi. J'ai lu des choses là-bas. Mobutu lui-même qui dit que après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait que trois monnaies au monde. Le Deutschmark, non, le livre sterling, le dollar américain et le franc congolais. Certainement, les Belges ont laissé une économie flottante, qu'on ne pouvait pas comparer. Aucun pays ici en Afrique ne pouvait pas égaler. Donc une économie florissante. Voilà. Et le domaine de l'enseignement,
J'avais suivi moi-même, il y a 2 ans, avant qu'il ne meure, Léon de Saint-Moulin, qui disait que en 57, on l'a interpellé à Bruxelles pour donner cours dans les classes de 5e, 6e gréco-latin. Il n'a fait que 3 jours. Il est allé voir le recteur pour lui dire que non, vos enfants ici, ce sont des idiots, ils ne connaissent rien. À Léopoldville, j'enseigne des génies et je ne peux pas. Et il a plié bagage, il est rentré chez lui. Ça veut dire que les Belges ont quand même fait quelque chose d'appréciable sur le plan pédagogique. On peut vous arrêter là pour qu'on continue ce premier tour de table. Cher ami Modeste Bonigaba, oui, quelles sont nos fautes? On peut comprendre qu'effectivement, les fautes soient de deux côtés. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Mais on doit également garder à l'esprit que l'homme, parce qu'on a parlé de la culture, l'homme est façonné par sa culture. Et lorsque votre culture a été déstructurée pour faire de vous un homme complètement, comment dirais-je, l'identité n'est plus celle qu'il est censé avoir. Ça, ça vous travaille sur des générations. Ce n'est pas une histoire de croire qu'après 60 ans, ça devrait changer. Non, parce que les réflexes que vous avez ne sont plus vos. Ce ne sont pas vos réflexes. Parce que justement, comme l'a dit Maître Magala, il dit, mais ben, on devrait quand même se demander, voilà, la courbe est là, au lieu d'aller de monter, ça descend. Qui va se demander? Parce que justement, c'est cette personne-là qui aurait dû se demander, mais alors, en fait, on est en train de régresser, qu'est-ce que c'est que ça? Mais cette personne est façonnée pour ne pas se poser ce genre de questions. Donc, sa génération va passer, celle qui va suivre va continuer aussi cette descente, au point que on se dit qu'il faut absolument, comme disait un jour l'abbé Mpundu ici, une sorte d'insurrection des consciences. C'est-à-dire que les gens se disent non, là manifestement il faut qu'on arrête ça, parce qu'il y a un problème très fort qu'on n'a pas résolu. Et Mabika Kalanda, lorsqu'il nous invitait à cette remise en question, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous demander, mais ce que nous sommes là maintenant, tel qu'on nous a laissé, ce ne sommes pas nous-mêmes. La décolonisation mentale n'a pas encore eu lieu, et donc tant que cette décolonisation mentale n'a pas lieu, les réflexes, les comportements sont ceux-là qui ont été façonnés depuis des générations. C'est pour cela que Aimé Césaire disait que la plus grande tare que nous avons héritée de l'esclavage et de la colonisation, c'est de nous avoir enlevé notre capacité d'initiative, c'est-à-dire de pouvoir oser, parce que c'est ça qui manque, oser sortir des sentiers battus. Très bien. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes comme un peu des automates qui, bon, c'est là, bon, la direction, c'est ça, eh bien, nous allons continuer à sombrer, parce que, là, tout à l'heure, j'ai suivi une vidéo de Bob Toumba, que tout le monde connaît, je crois. Il montre comment, de 60 à aujourd'hui, du côté industrie, parce que lui, il est plus économiste industriel, il dit, en 60, ce Congo belge-là, qui a effectivement fait beaucoup de choses, il y avait 6800 industries. Non, 1800. 6800 industries en 60. Aujourd'hui, on est à peine à 100. Quelle descente! Alors, vous allez dire que, mais à quel moment on aurait dû se ressaisir? Est-ce qu'on devait le faire? Quand Mabika nous le demande, c'est juste après l'indépendance. Bon, les gens vont se dire non, le Congo est sur une bonne trajectoire. Parce qu'à ce moment-là, il y a toujours le mouvement de fond qui remonte aux années 50, qui va encore continuer pendant un temps. Et puis, il y a des crises successives au niveau mondial qui suivent. Et nous en subissons évidemment le contre-coup. Mais comme on n'a pas la capacité
de rebondir. De rebondir, ben, on continue à sombrer. Et c'est ça que nous devons nous demander, comment faire en sorte que désormais nous puissions à la fois prendre en compte la demande de Mabika Kalanda, parce qu'il faut vraiment déconstruire cette mentalité que nous avons héritée, qui nous poursuit, de manière à ce que nous puissions enfin nous dire, mais le Congo, qui est un coffre fort, c'est pas normal, c'est pas normal qu'on puisse continuer à avoir la main comme ça, tendue pour demander ailleurs, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour donner aux autres. Non seulement pour satisfaire nos besoins, mais aussi pour donner aux autres. En fait, nous sommes en train de construire sur le sable. Parce que le soubassement culturel n'existe pas. On nous a appris à insulter notre propre histoire. On nous a appris à ne pas apprécier notre histoire. On a tout balayé et nous sommes ainsi restés ballottants, n'est-ce pas, au gré des vagues, en suivant le chemin qui nous a été tracé par l'autre. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Tout à fait, parce que en suivant M. Mbonigaba, j'ai aimé d'ailleurs son analyse, a été bien corroborée par le ministre de PME, je crois, oui, qui dit que la RDC n'a pas 10 000 entreprises structurées, donc en bonne et due forme. Et pour lui, c'est un désert entrepreneurial. Donc, sur le plan de l'entrepreneuriat, c'est un désert. Par rapport à ce qu'est la RDC, de ne pas avoir 10 000 entreprises, c'est la catastrophe. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, je suis d'accord avec le raisonnement. Et là, je prends un témoin, un bon penseur, M. Bernard Dadier, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il dit ceci. Il dit... On ne pouvait pas les vivre. Le travail... Et après le travail, l'indépendance. Telle doit être la devise de votre génération. Parce que sans travail, il n'y a pas d'indépendance. Et cette indépendance est autant politique qu'économique. Quand vous circulez en Afrique, on a encore des chefs d'État qui se réclament facilement comme ça. Non, lui, c'est un homme de Bush. Lui, c'est un homme de Chirac. Comment voulez-vous être indépendant? Vous, le patron d'un État, vous-même étant homme de quelqu'un, c'est un problème sérieux. Il dit, non, lui c'est un homme de bouche, nous, lui c'est... Non. Comment on peut être indépendant? Déjà que dans la tête... En généralisant, il est de gauche, il est de droite, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi par rapport à nous? Franchement. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, nous soyons encore en contrat avec la Banque mondiale, vraiment? Avec le Fonds monétaire international. J'ai aimé l'exemple donné par Tidiane, qui dit qu'il était confronté un jour à un homme de la Banque mondiale. Il dit, nous devons construire une route ici. Et la Banque mondiale lui dit, non, on ne peut pas faire cette route-là parce qu'elle n'est pas rentable. Il dit, mais comment voulez-vous qu'elle soit rentable si elle n'est pas construite? C'est ça la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. C'est-à-dire, vous voulez raisonner sur quelque chose qui n'existe. Qui n'existe pas. Ben, dès qu'on va mettre la route, mais les gens viendront parce qu'il faut passer par là, ils vont construire des parts et d'autres. Mais mettons d'abord en route, ils disent non, on ne peut pas faire cette route-là parce qu'elle n'est pas rentable. C'est pas non, c'est ça le raisonnement. Et nous sommes aujourd'hui à la traîne, en train de courir après la Banque mondiale qui vous donne des conditions pour dépenser votre propre argent. C'est-à-dire que nous nous déclarons incapables nous-mêmes de nous gérer. C'est pas normal. Il faut quand même à un moment... une révolution, comme disait M. Labbé, qui était avec nous lors des émissions passées. Et c'est là que j'en profite pour dire que nous devons être d'accord sur les diagnostics. Les diagnostics pour dire que nous avons échoué. Nous avons échoué pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une élite qui est pratiquement boudée par la population. La population n'est pas d'accord avec notre élite aujourd'hui. Quand vous scrutez très bien la vie politique et économique du pays, il y a des tares qui sont en train de renaître même avec force. Le tribalisme revient en force.
Donc, tout homme politique aujourd'hui, quand ça ne marche pas, il serait coquillé sur sa tribu. Et c'est la tribu qui... qui sert de moteur. Pour un homme politique qui se veut national, c'est pas normal. Nous avons le culte de la personnalité qui revient. Même quand on n'a rien fait, on est preso, on est mopao. Et donc, aujourd'hui, on ne s'est pas fait la différence. C'est comme si toutes les autorités morales, c'était des copies du président fondateur du MPR. Donc, le Sakayonsa est revenu en force. Donc, c'est partout la danse. Quand il y a un leader politique qui se présente, tout ce qu'on reprochait à Mobutu, on est en train de le faire aujourd'hui. Ce sont les tards-là qui reviennent avec force parce que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas mis d'accord sur le diagnostic. Il y a un problème de rapport avec le pouvoir. Quand le maréchal dirait servir et non se servir, c'est là. Aujourd'hui, vraiment, le pouvoir c'est devenu me servir et le reste après. Et enfin, on a une division permanente dans le suivi du pays. C'est-à-dire, même quand on a des objectifs différents, on est divisé, on ne sait se mettre d'accord sur rien. Non. Mettons-nous d'accord sur le diagnostic. Dès qu'on est d'accord, on peut proposer maintenant des solutions pour en sortir. Je suis absolument d'accord avec vous parce que même dans notre métier, je dis souvent aux jeunes, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire, vous dire, moi, par rapport à telle personne, je suis en bas. C'est ça qui va vous permettre, si vous êtes honnête avec vous-même, d'évoluer, de quitter cet état pour un autre état. Mais si nous complaisons à faire des diagnostics qui sont complètement faux, eh ben, l'avenir ne cessera d'être que faux. Théodore. Merci, mais je ne suis pas tellement d'accord avec cet aspect des choses qui consiste à dire que notre culture a été... On n'a pas de soubassement culturel. L'aîné a évoqué le problème, les réflexions de Mabika Kalanda, la remise en question. Moi, je pense que nous ne devons pas nous consoler dans tout ce que nous faisons. Notre culture elle-même, nous Congolais, il y a beaucoup de choses à reprocher dans notre culture. Est-ce que vous la connaissez? Bon, oui. Parce qu'on a fait table rase. Je suis né au village, j'ai grandi. L'école primaire, je l'ai faite au village. Une partie de l'école secondaire, je suis venu faire la cinquième et la sixième ici au collège Notre-Dame. Donc, je connais. Notre culture doit être remise en cause. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à se dire. Ce ne sont pas les blancs qui nous ont appris à voler. Non. C'est dans notre culture. Ce ne sont pas les blancs qui nous ont appris à mentir. Et ce ne sont pas des blancs qui nous ont appris à être des fainéants. Non. Je pense que nous sommes dans ce pays, il y a quatre registres langagés. Il y a d'un côté les Bakongo, les Baluba, les Baswahili et les Bangala. Et chacune des parties gère une moisson de culture. Ce qui est valeur dans la culture A ne l'est pas forcément dans la culture B. Je donne un exemple. Il y a dans un coin de ce pays, un garçon doit apprendre à voler. Le vol, c'est un acte de courage. Je devinais que ce serait cet exemple. Bon. Le vol, c'est un acte de courage. Mais chez nous, à l'Est, le vol, c'est grave. Quand on apprend que tel garçon, c'est un voleur, alors il doit aller chercher la femme à plus de 60 km. Mais dans notre, quelque part, dans une autre culture congolaise, voler, c'est vraiment un acte de bravoure.
cette culture-là, ce ne sont pas des Belges qui nous ont amené ça, non. Nous l'avons ici. La remise en question dont parle Kaby Kamalanda doit commencer par nous. On ne peut pas aller regarder les Belges, autres. Non. Nous avons des très mauvaises cultures dans notre pays. Après cet exemple, est-ce que vous en avez un autre? Un autre. Pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Un autre exemple. La débauche, par exemple. Je vous donne des exemples concrets que j'ai vécu moi-même. Un directeur qui est muté à quelque part dans un coin de pays. Ils sont en train de travailler dans leur salon. Il entend, lui est de l'Est, le directeur est de l'Est. Il entend quelque part entrer, les gens en train de se bousculer, une discussion chaude là. Il veut en savoir plus. C'est quoi? Il dit, oh non, les gens ne sont pas sérieux. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Ils se sont mis d'accord. Le premier a donné sa femme à l'autre, moyennant de l'argent, pour 2 semaines. Sa propre femme, pas une deuxième femme, pour 2 semaines. Et ce délai est déjà passé. Le monsieur ne veut plus remettre la femme de. Et c'est comme ça, moi, on m'a appelé comme juge. Pour le départager, j'ai demandé à celui qui a ravi la femme d'autrui, la paravie, celui qui garde encore la femme d'autrui, de pouvoir ajouter de l'argent ou encore il remet la femme d'autrui parce vous êtes, que. Vous êtes dans les extrêmes quand même. Non. Oui, continuez. Ça, c'est notre culture. Ce ne sont pas les Belges qui sont venus avec ça. Ok. Alors, c'est un ensemble de cultures que les Belges aussi sont venus retrouver ici, qui essayent quand même de montrer que les soubassements culturels. Parce que là, je dois encore ajouter un aspect. Et cette culture-là de vol, de débauche, de fainéantisme, de quoi nous l'avons assumé pendant plus de 50 ans. Il est maintenant difficile de pouvoir enraciner cela en peu de temps. Alors, voilà ce que je voudrais dire. De la culture, partant de la culture, nos cultures ne sont pas toujours bonnes. Très bien. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien ce que vous voulez, la chute. Le mot de la fin ne sont pas toujours bonnes. Il y en a de bonnes. Voilà. Et nous l'avons toujours dit. Il y en a de bonnes. Oui, Monica. Disons, il y a beaucoup à dire, effectivement, sur notre culture. Certains aspects. Qui n'est pas uniforme. Là, vous avez raison. Mais Mabika Kalanda, lorsqu'il dit la remise en question, il ne s'agit pas de rejeter en bloc tout ce que le colonisateur a amené. La remise en question, c'est en fait la revisitation de ce que nous avons acquis du fait de la colonisation, de voir ce qui est bon pour le progrès, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant, et ce qui nous aliène, ce qui nous maintient dans la servitude. Parce qu'à ce moment-là, nous ne serons jamais décolonisés. Tout à fait. Donc, la remise en question que prône Mabika Kalanda, c'est pour, en fait, faire cette sorte d'inventaire. Pour dire, tiens, bon, maintenant que nous sommes indépendants, bon, qu'est-ce que nous pouvons garder là? Par exemple, si on nous demande, comme disait Maître Magala, qu'il faut continuer à dire que moi, je suis l'homme d'eux. Alors toi, tu es chef de l'État chez toi, mais tu te réclames de commissionnaire en quelque sorte de tel autre homme d'État étranger. Bon, si vous faites ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de magnifier la dépendance. Tout à fait. Mais comment allez-vous former une génération de gens qui vont comprendre que l'indépendance est la base de tout? Lorsque vous déjà vous êtes au sommet de l'État, vous êtes en train de vous vanter d'être l'homme lige de tel. Donc cette remise en question allait permettre de prendre ce qui nous permet de continuer à progresser, mais de rejeter tout ce qui risque de nous maintenir dans la servitude. Et c'est cela qui n'a pas encore été fait. Même chose pour notre culture à nous. Il s'agissait de faire le tri et de dire, tiens, ben voilà, ben ça on ne peut pas garder, hein.
dire que voler c'est un acte de bravoure, manifestement le développement ne trouvera pas son compte. Parce que pour que le pays se développe, il faut que les gens travaillent, qu'ils ne volent pas l'argent public. Donc il faut trouver cette nouvelle organisation qui englobe toutes les valeurs positives venues de partout. C'est ça, c'est ça qui n'a pas encore été fait. Alors, aujourd'hui, on dit la crise de l'élite, c'est l'élite qui n'a pas été à la hauteur. Oui, mais l'élite vient d'où? Voilà, pas de la Lune. L'élite vient de nous. Nous sommes là, nous sommes candidats à être justement des gens, parce que c'est parmi nous qu'on recrute les gens qui demain vont être appelés élite politique. Mmh. Donc, c'est cette société-là qui sécrète cette élite-là. Il faut donc revoir, parce que justement cette remise en question permettrait de comprendre que désormais, il faut trouver d'autres mécanismes pour faire émerger seulement ceux qui, effectivement, ont vocation à servir. Et ça, c'est un travail qui ne peut pas être fait par d'autres. Ce n'est pas les gens, aujourd'hui, les universités étrangères viennent nous aider à réfléchir sur les réformes électorales et tout ça, comme si nous, on n'était pas capable de comprendre que, effectivement, c'est là qu'il faut agir, mais agir de telle sorte que l'élu à tous les niveaux soit celui ou celle qui effectivement a le profil de l'emploi. Tout à fait. Et puis, je ne sais pas pourquoi notre jeune frère, en prenant la parole, a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que nous disions. De toute façon, cette colonisation, elle a été faite, mais d'une manière méthodique. Et il nous a pénétré dans le plus profond de notre être. Notre âme a été touchée. C'est un travail tout aussi méticuleux, tout aussi subtil, qu'il va falloir mettre en route pour que nous retrouvions notre âme. Si nous retrouvons notre âme comme les autres peuples l'ont fait, eh bien rien ne nous gênera plus. Vous venez avec votre savoir, j'analyse ce savoir à l'aune de mon âme. Eh bien, ça va être, si c'est bon, ça va être très très facile. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de talonner ou pas de dépasser les Américains. C'est parce que leur âme n'a pas été touchée. Maître Magala ne sera pas d'accord avec moi. Non, il sera d'accord avec moi. Non, je n'ai pas de problème avec ce que vous dites. Je suis plutôt... Je serai un peu philosophe, je dirais, parce que... Allez-y, cette émission n'est pas faite pour que nous soyons tous d'accord. Si on prend des exemples un peu spirituels, je dirais, je prends par exemple notre hymne national. Je trouve que elle était adaptée à la période de l'indépendance et qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, c'est dépassé. C'est-à-dire, nous ne sommes plus... C'est ça qui fait qu'on a toujours l'œil tourné vers la colonisation. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à dresser nos fronts longtemps courbés. Même bâtir notre pays, nous le conjuguons au futur. Donc, nous continuons à dire nous bâtirons. Mais qui bâtira? Nous bâtirons un pays quand? C'est maintenant qu'il faut agir. Il y a des histoires qui ne doivent pas être remises au lendemain. Mais bâtissons un pays. Parce que à ce rythme, nos enfants diront si nous bâtirons. Nous bâtirons. Et puis, finalement, plus personne ne bâtira. Bâtissons maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis l'élite a échoué, je prends des exemples du concret. Les 6 mois que nous venons de vivre. Vous savez qu'on a perdu 1 mois en train de crier Ronsard Malonda, Ronsard Malonda. Les gens ne travaillent pas. Ronsard Malonda, problème national. On a quitté Ronsard Malonda, Kasumbalesa. Kasumbalesa est parti, Ngoï Kassandji. Mais finalement, quel est le problème qui fait qu'on ne travaille pas? Le problème, il a donné, c'est-à-dire il a dit
Il y a absence de, d'initiative parce que nos âmes ont été justement habituées à attendre que le chef donne le là ou le go. Ben justement, agissons, changeons la façon de faire. Voilà. Comment ? Tout le monde est d'accord aujourd'hui que le mode de développement le mieux adapté, c'est par les petites et moyennes entreprises. Nous avons une jeunesse très talentueuse. Mais il n'y a pas une réflexion commune pour avoir une intelligence de développement, intégrée. C'est-à-dire comment mettre en place, comment faire que tous ces talents soient mis ensemble pour faire avancer le pays. Comment ? En faisant des PME pour canaliser toutes ces énergies-là, mais pas pousser la jeunesse en permanence dans la rue. Parce que s'ils sont dans la rue, ils vont travailler quand ? Et s'ils ne travaillent pas, parce que le premier besoin ici, les gens qui ne mangent pas, ils sont dans les matolos, comme on dit à Kinshasa, c'est-à-dire président. Bon, finalement, on a des sous-hommes. Quelqu'un, quand tu lui achètes un Fanta, il t'appelle président. Bon, finalement, toute la République est bourrée de présidents. Même les Bourgoumois se sont devenus excellence. Mais bon, on est dans cette culture de mendicité. Et on s'y complaît. Et les gens qui donnent et les gens qui reçoivent, ils sont à la même enseigne. Je suis désolé. Trouvons un mécanisme de développement par les PME. Parce que si nous nous attendons des grandes structures du type Bukangalonzo, ce n'est pas pour demain. Faisons des petites structures à 10 000, 20 000 dollars qui permettent que les gens puissent être autonomes chez eux. La globalisation de ces petits projets-là fera qu'on puisse avancer au moins sur un secteur. Et ne pas tout attendre de l'Occident. Vous savez qu'on est en train de mobiliser caméras, radio, télévision pour aller assister au don des masques de 10 000 dollars. C'est grave. Dans ce pays. Une ambassade a donné 20 cartons de masques. On doit mobiliser un ministre. Mais nous sommes dans quoi ? Justement, ce n'est pas pour vous interrompre. Vous allez continuer. Vous n'avez pas l'impression que pour booster tout cela, il va falloir quand même qu'il y ait une sorte d'élan, d'impulsion, même d'enseignement. Parce que je vois encore le théâtre, vous avez parlé du Katanga, de Kasumbalesa. Je vois des gens qui écoutent pendant des heures quelqu'un qui fait des meetings. C'est de la main d'œuvre paresseuse, qui ne fait rien. Est-ce que pour booster cela, il ne faut pas un enseignement? Il ne faut pas que quelque chose soit dit. On passe par l'école. Cette école nous a amené là où nous sommes. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que on sollicite le spirituel, l'esprit? Mais justement, c'est l'enseignement que nous recevons fait partie des freins au développement. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, comment vous voulez qu'on produise des docteurs en philosophie espagnole? Ok. Ça nous sert à quoi, directement ici, au lieu de nous produire 10 maçons bien formés? C'est-à-dire, les modèles d'enseignement, on en a déjà parlé ici. Cherchons à produire des opérateurs directement rentables. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas obligé d'être avocat ou ingénieur en bâtiment. Produisons aussi dans l'intermédiaire. Alors, vous proposez quoi? Qu'à un certain moment, par exemple, on ferme un certain nombre de filières pour privilégier d'autres? Parce que là, on continue. Hein. Non, qu'on favorise certaines filières. C'est-à-dire que on dit par exemple, ceux qui veulent faire l'agronomie seront pris en charge par l'État. Les mines, prises en charge. Le pétrole, la forêt, ce qui concerne notre pays. Bah. Que ces métiers-là soient favorisés par les systèmes d'enseignement et que le métier de prestige puisse y mettre le prix. Mmh. Au moins ça nous aiderait à produire une classe productive directement valable. Directement. Théodore, bon, je suis d'accord avec vous sur un aspect. Vous avez évoqué l'aspect école.
Mais en ce qui concerne l'âme complètement détruite, là, je ne suis pas tellement d'accord. Je ne suis pas pessimiste. Mm-hmm. Je suis encore optimiste qu'on peut encore sauver ce qui reste à sauver. Et je ne crois pas que ce sont les Belges qui ont détruit l'âme congolaise. Les Belges ont détruit quelque chose, mais ceux qui ont détruit l'âme congolaise, ce sont les Congolais eux-mêmes. Mais vous êtes d'accord, parce que, vous êtes d'accord quand même que le colonisateur est venu ici pour travailler à son profit et qu'il nous a formés pour que nous soyons les auxiliaires. Là, vous êtes d'accord? Là, je suis d'accord parce que c'est déjà... nous ne sommes pas l'unique pays qui a subi ça. Partout où il y a eu colonie, c'était le modèle. Ah, les Belges, les Français, tout. Le problème sur lequel, c'est le système politique installé dans un pays qui façonne la mentalité du peuple. La première erreur qu'on avait commise, on semble négliger ça, mais ça nous a vraiment poursuivis. Nous sommes éducateurs et nous avons toujours tendance à dire aux femmes, maman, là tu sais mon abilamba, zana le mana mouke. Oh non, zana le mana mouke, tout ça. Et quand cet enfant grandit, à l'âge de 12 ans, 13 ans, on ne sait plus contrôler cet enfant. Oh non, voilà, on l'a ensorcelé, voilà. Non. Regarde un peu comment tu l'as élevé de l'enfance jusqu'à cet âge-là. Nous avons commis des erreurs qu'on ne pouvait plus réparer. Lumumba, notre héros national, en 60. Moi, j'ai loué ici à Kasavubu. Mon bailleur me dit que... Ah, Lumumba... Attention, en 60, vous louiez ici à Kasavubu? En 2019. En 60, lorsque notre pays a accédé à l'indépendance. Autant pour moi. Mon bailleur me dit ceci. Nous, Lumumba nous a appelé ici à Sanef. On a nos bêta mundele fim botala ko bêta. La manière dont les Belges ont été chassés dans ce pays, vous chassez un Belge, directeur d'une entreprise, licencié en économie, pour le remplacer par un monsieur qui n'a même pas terminé l'école primaire. Et Mobutu vient, il installe le principe. Macrosa. Ibandam Boutikandam. Et on est tous emballés dans ce système. Pendant plus de 30 ans. Même si on avait... Non, moi je pense que nous devons d'abord la remise en question. D'abord, nous devons d'abord nous approprier de ça. Nous devons nous poser des questions. Et peut-être... essayer de rectifier ce qui reste à rectifier, notamment les domaines de l'enseignement. Toujours Mobutu, vous avez travaillé avec Mobutu, c'est pas 69, je suis 61. Mobutu dit que l'enseignement, c'est pour moi le cinquième pneu de ma voiture. C'est pour dire que... La cinquième roue du carrosse. Le cinquième pneu de ma voiture. Voilà un chef de l'État qui prononce des choses comme ça. Et les effets perlocutoires, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant. Comment on peut s'imaginer, même s'il parlait de petits témoignages, non, c'est d'abord asseoir l'enseignement. Là où il n'y a pas d'enseignement, comment vous pouvez développer le pays alors que l'enseignement est dans le gouffre? Vous allez former les ingénieurs où? Dans les entreprises. On les forme à l'école. La plus grande entreprise dans un pays, c'est d'abord l'école. C'est ce que Mao a pris le pouvoir en 49. Hein? Il a commencé par... Il vient, il appelle tout le monde. Ah, comment? Oh non, il faut des industries. Vous voulez des hôpitaux? Oh. Il dit, ok, mais vous avez tous tapé à côté. D'abord, vous devez manger. Vous, les Chinois. Mais vous trouvez, à Hong Kong, il y a des gens qui mouraient de faim. Nous sommes dans l'histoire. L'émission va se terminer. Donc, l'enseignement, on retient... que l'enseignement. Mais cet enseignement doit justement essayer de s'adapter à cette remise en question, c'est-à-dire trier aussi les valeurs qui sont qui peuvent nous permettre de développer, voilà, et les mettre dans cet enseignement, et que cet enseignement soit immédiatement utilisable, que les gens qui sortiront soient immédiatement utilisables. Dans un pays où nous nous targuons d'avoir beaucoup de minerais, il n'y a pas beaucoup d'écoles de mines. Hein?
Oui. Ça se trouve où? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que pour, je voulais rebondir justement ce qu'il a dit. On n'a pas. L'enseignement, nous sommes d'accord, mais on a demandé quel enseignement. Voilà. Quel enseignement. D'accord. Voilà. Ce qui dit, on peut façonner un modèle d'enseignement qui ne soit plus celui des Belges qu'on critique. Voilà. Le mal, parce que sinon, on crée les mêmes personnes. Nous critiquons les Belges, oh, tout ça. Mais on n'a pas de modèle, papa. Même Dieu, pour créer l'homme, il a établi une comparaison. Nous devons d'abord nous inspirer de ce modèle belge. Voir, bon, partons de ce modèle pour faire quelque chose. Ok, l'émission va se terminer. On va donner la parole à Boni Gaba. Oui, parce que là, nous sommes en train de dire que les Belges sont partis depuis 60. Mais en réalité, lorsque nous parlons de la décolonisation mentale, qui n'a pas encore eu lieu, ça veut dire, en d'autres termes, que ce sont des Belges à peau noire qui sont maintenant là. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce qu'aussi longtemps que cette décolonisation n'a pas eu lieu, ceux qui sont aux commandes et qui ne remettent pas en cause ce système hérité, ça veut dire qu'ils sont les continuateurs de ceux qui étaient là en 60. Donc cessons de dire que depuis 60, maintenant c'est nous. Mais non, nous qui? Nous les continuateurs des Belges. En cas de malade, nous ne pouvons pas remettre en cause ce que nous sommes en train de dire ici pour construire un État vrai qui puisse effectivement tracer maintenant sa ligne de développement, parce que par rapport aux possibilités que nous avons, manifestement, nous sommes complètement à côté. Ben, je donne l'exemple d'un chef d'État, je ne citerai pas son nom, qui, son collègue prend la parole, critique la France et tout ça, et puis le chef d'État dit « Ah, ce que mon ami ne savait pas, c'est que nous étions en direct. » L'air de dire « Mais il va être puni, cet ami. » Vous vous rendez compte? Un chef d'État qui veut encore repartir. Il dit « Non, non, ce que je n'ai pas dit à mon ami, c'est que nous étions en direct. » L'autre vient dire « Oui, j'assume. » Vous vous rendez compte déjà ce débat-là, ce petit débat. Donc on a peur, le blanc a entendu, demain je serai puni. C'est ridicule. Là, vous voulez donner raison au général Mayel, au fait général Mayel, qui avait dit à Mobutu, mais nous sommes dans une république de professeurs. Et pendant 60 ans, il y a des professeurs qui sont allés en Europe. Ils sont allés voir ce que les Belges font, les Français, ils ne sont revenus ici comme professeurs. Et ils sont incapables de changer le modèle. Le secret des Belges, s'ils ont développé ce pays, parce qu'on était au même niveau que le Canada et la Corée du Sud, c'était l'agriculture. Les mêmes Belges, parce qu'il y a des choses qui se passent, qui se disent ici, nos dirigeants africains, ils partent en Europe, ils vont prendre des fétiches là-bas pour permettre de s'éterniser au pouvoir, tout ça, et maltraiter. Mais le contraste, c'est que les mêmes occidentaux qui leur donnent des fétiches pour maltraiter leurs sujets entretiennent leur sujet, leur peuple. Mais ici, c'est grave. C'est pour ça qu'il faut revoir. L'émission est terminée déjà depuis 30 secondes. Bon. De toute façon, comme vous êtes dans, je voulais terminer, dans la maison. Je voulais terminer par dire que nous devons nous-mêmes nous remettre. Parce que nous remettre en cause. Okay. La remise en cause doit commencer par nous-mêmes. Laissons d'abord. Voyez un peu ce qui fait notre monsieur ici. Il est à la RTNC. Freddy Moulumba. Il suffit qu'il voie quelque chose. Oh, c'est le plan de balkanisation. Tout ce qu'il a pris, c'est balkanisation. Nous y reviendrons. En fait, il appelle l'intellectuel à s'assumer. C'est ça son combat. Il faut l'écouter. Ou ne pas l'écouter, l'écouter, l'améliorer, ou peut-être lui souffler des choses, mais pousser l'intellectuel à connaître les réalités de son pays pour rebondir, je crois que c'est une très bonne chose. Cette émission se termine un peu en queue de poisson, parce qu'il y a Théodore qui est venu nous bousculer, mais c'est bon de venir nous bousculer. Vous êtes appelé aussi à venir grossir les rangs. Malheureusement, avec la distanciation, on ne peut pas inviter en un coup tout le monde. Alors ce que je voulais vous dire très peu pour vous permettre de bien suivre nos émissions, eh bien
nous nous sommes rendus compte que les machines qui vous avaient été vendues sur la TNT avaient trop de défaillances, eh bien, nous avons rempli un formulaire pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de ces décodeurs. Vous pouvez les obtenir ici, à Numérica, 5e étage, Beautour. Bonsoir et au plaisir. Très vite.